So I'm beginning to pick up a little bit here. I'm glad anyway we had a chance to be able to just listen. Do you think we use any? Whether or not. You're staying for how long? How long you staying for? Voici l'instant président du jour. Que s'est-il passé hier à l'Elysée? Non, tout s'est bien passé. On est juste passé à deux doigts d'une guerre, mais rien de grave. Hier, la France a accueilli le président égyptien Al-Sisi. Voici la séance de photos officielle dans l'Elysée, mais ses sourires cachent un malentendu. Un accro protocolaire a eu lieu juste avant ce moment joyeux. Une guerre, je vous dis, à deux doigts d'une guerre diplomatique. Explication, l'arrivée d'un chef d'État à l'Elysée est très protocolaire. Ça se passe toujours de la même manière, la voiture s'arrête, les gendarmes ouvrent les portières, le chef d'État sort du côté droit, il est dirigé vers un deuxième gendarme qui l'invite à marcher seul devant la garde républicaine, d'où cette image. Des présidents seuls qui marchent dans la cour de l'Elysée pour être accueillis seuls par François Hollande qui va certainement leur parler du temps qu'il fait. Sauf qu'hier, le président égyptien était accompagné d'une tête de mule qui n'a manifestement pas l'habitude qu'on lui dise non. La voiture s'arrête, les gendarmes ouvrent les portes, le chef d'État sort à droite, mais problème, un militaire égyptien s'incruste. Le français lui barre le chemin une fois. Deux fois plus fermement, et réaction du militaire, il prend la main du français et la dégage. Dégage. Un deuxième gendarme lui fait signe de stopper, il s'en fout et s'avance dans la cour de l'Elysée.
Et là où normalement on a un pays qui s'avance vers notre pays qui l'accueille, nous avons un pays et son armée qui s'avance vers François Hollande. Le militaire égyptien n'arrivera pas jusqu'à Hollande, il s'arrêtera avant. L'histoire ne dit pas si dans le bureau les deux présidents font allusion à ça. En tout cas, ils discutent d'un souci de protocole qui s'est passé juste avant. Voilà, c'est l'ordre de calcul de nous, là. Le protocole a toujours le vertu. Toujours raison. Le protocole a toujours raison, dit-il. Donc la tête de mule de l'armée n'avait rien à faire là. En adjoint l'Elysée à leur connaissance, c'est la première fois que ça arrive. L'Égypte s'est excusée. On est passé à ça d'une guerre. À ça. على الهواء مباشرة وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك لحضور الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كما نشاهد يعني الآن على الهواء مباشرة وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحضور هذه الاجتماعات. إذن مشاهدينا، يعني تابعنا مع حضرتكم على الهواء مباشرة هذه اللقطات لوصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة لحضور الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كما نتابع مع حضرتكم أيضا ما زلنا على الهواء مباشرة هذه اللقطات الحية.